Les habitants du groupement Walora-Oroba, dans le secteur de Wanyanga, en territoire de Walikale, vivent dans une insécurité totale suite à la présence des hommes armés inconnus sur la colline Boyé. L'information est livrée par le député provincial Prince Kiangui, élu de Walikale. Selon lui, il faut des mesures urgentes pour que ces détenteurs illégaux d'armes soient mis hors d'état de nuire, car certains Certaines populations se déplacent suite à l'activisme de ces hommes armés. Voilà le sens de la rencontre avec les autorités militaires. On l'écoute au micro de notre permanent sur place, Patrick Sialoa. Il y a au niveau du groupement Walora-Oroba des frustrations qui datent de depuis longtemps suite à des mouvements de population qui sont enregistrés dans la région. Et d'après les informations présentées par les chefs locaux, on apprendrait qu'il y aurait certaines personnes qui détiendraient des armes hein, dans ces camps, dans ces centres de cantonnement ou de regroupement de personnes. Parce que à leur temps, leurs excellences Julien et même Carly ont proposé qu'il y ait une identification des personnes qui se trouvent notamment sur la colline Boyé. Et ça commence à inquiéter hein, la communauté locale. Voilà pourquoi les chefs locaux ont cru que, avant que le pire n'arrive, parce qu'on a déjà identifié des personnes qui détiennent illégalement des armes au niveau de Boué, d'après les chefs locaux, il a fallu présenter cette situation à l'autorité provinciale pour qu'effectivement des dispositions soient prises pour éviter qu'il y ait déstabilisation de cette région. Nous avons cette assurance, toutes ces belles promesses de l'autorité à pouvoir s'investir. On a même séance tenante parlé à monsieur l'administrateur, le colonel, lui également qui s'implique déjà, voir comment on peut faire cette mission dans le groupement Walora-Oroba, se rassurer de la situation et se rassurer que toutes les populations qu'il y a dans le groupement s'approprient les processus de paix, éviter qu'il n'y ait pas de groupe de personnes qui déstabilisent cette région-là, parce que ça fait longtemps qu'on est en insécurité et maintenant nous croyons qu'il est le moment que nous puissions recouvrer cette paix que nous avons manquée depuis bien longtemps.